Safer Internet Day, 84% des jeunes victimes de violences en ligne. La violence en ligne existe bel et bien à Madagascar. Selon les statistiques publiées par l'ONG Youth First Madagascar en juin 2019, 84% des jeunes ont été victimes de violences en ligne. Il s'agit notamment de harcèlement, d'insultes, de drague, de chantage, de piratage, de fake news, d'arnaque, d'exposition de contenu inapproprié, ainsi que des sollicitations des jeunes à une rencontre avec un inconnu, selon les explications de Mura Lakudvao, directeur adjoint de l'ONG Youth Madagascar, aujourd'hui. De ce fait, l'organisation du Safer Internet Day, qui s'est tenue à l'IKM Antsavoul, visait à informer et à sensibiliser les jeunes face à ces dangers en ligne. En effet, le Safer Internet Day est un événement mondial organisé à Madagascar par l'ONG Youth First dans le cadre des activités du volet sécurité en ligne de son programme SAI, avec l'appui de l'UNICEF Madagascar, de la GIZ Madagascar et en partenariat avec Orange Madagascar. L'objectif du Safer Internet Day qu'on va célébrer aujourd'hui, c'est de surtout informer le grand public des dangers en ligne et comment est-ce que nous pouvons, en tant que personnes, agir contre ces dangers en ligne. Donc, on a invité plusieurs partenaires et on a aussi invité plusieurs parties prenantes qui sont les responsables sur la sécurité en ligne afin de les présenter les évidences, mais aussi d'informer le grand public quels sont ces dangers et comment est-ce qu'ils peuvent agir. De nombreuses activités ont marqué la célébration du Safer Internet Day, comme une conférence débat, un game jam pour faire participer les jeunes à l'élaboration de dispositifs de sécurité en ligne. Des formations des parents sur le toolkit Tanurasa ont été dispensées afin que ces derniers puissent protéger leurs enfants et adolescents face aux dangers de l'Internet.